Salut, mes petits Chris, bienvenue sur ma chaîne de gamer Anthony Gosselin, présentement en vidéo sur DO5. J'espère que tu apprécieras cette vidéo sur ce jeu, sur ça. Bon visionnage. Est-ce que j'étais pas sûr si j'avais mon micro dans le zone? Bon. Faudrait m'as-tu jeté par terre? Je peux voir ton secret. Je vais t'avoir dans le creux de tes fesses. Je vais te péter. Nanana. Willer Pokémon, I will emberle so crew. Quand je vois le ciel est bleu. En même temps, il y a une petite devinette dans cette chanson-là, la connaissez-vous? C'est la toune de Roi Lion. Tout, tout, tout. Willer, ta-da-da. Dans le ciel, sourire de nous voyons des cieux. Moi, tu glanes, et toi, t'es Pokémon. En plus de plaisanterie, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de la liker, de la soutenir. Sans oublier que ça me ferait plaisir si vous avez des idées de gaming ou d'autres vidéos que je pourrais faire. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires de cette vidéo ou sur les celles que j'ai faites avant. Sur ça, bon visionnage et bonne journée ensoleillée, bien sûr. Parce qu'il fait très beau aujourd'hui. Fait extrêmement beau. C'est une belle journée d'automne. Comme qu'on les dit avant. Bon, là je vais aller prendre mon personnage Alpha. Compte. J'ai déjà fait un live sur Genshu et Alpha 52 parce que c'était des personnages cheatés du jeu, mais je m'attendrai pas sur eux. J'ai plutôt envie d'essayer Alpha contre Natara, même si Natara était mon personnage préféré de DO5. Je vous l'apprendrai pas, cher abonné et abonné, que c'est mon personnage préféré de DO5. DO6, c'est Diego, ou Kokoro, ou Nico. Sur ça, je vous souhaite bon visionnage. Yes. Au sacrement, elle utilise des vieilles techniques, Neotara. Qu'est-ce qu'elle utilise ces techniques de ses ancêtres? Parce qu'elle a des sacrées de bonnes techniques. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est le personnage le plus cheaté du jeu. C'est sûr que dans DO6, c'est Break One, le genre le plus cheaté, là, puis Mary Rose, mais là-dessus, c'est bien Alphazus 69 en L, là, en fait du. Bon, j'ai un personnage. Ça vous laisse votre premier spectacle.
Jus de tomate. Le jus de tomate. C'est pas trop qui prend. Parce que je suis un petit prince. Suce ma tomate pis fait du cul. Suce ma tomate pis fait du cul. Tole to 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 so cou. Le tas d'un fort de cul. Lol. T'as le saut de cul dans le trou de cul. T'as le saut de cul dans le trou de cul. Tu pognes les fesses dans le pétu. Lol. Tu pognes les fesses dans le pétu. Lol. Boum, boum, machika boum, machika boum, machika boum. Ouais, encore plus fort. Boum. Je veux que le monde m'entende déconner de même dans cette vidéo.
pire, c'est quand je vois la colle ici sur mon asti train, ça va être drôle. Bébé! Bébé, mon gros bébé! Ma face de pète! Ma grosse face de pète! Tabarnak, je suis en train de le défoncer, lui. Dans le cul, en plus. Hein? Ouais. Tabarnak! Je suis une vraie déesse, moi. Elle est-tu sexy, la Naruto, là? J'aimerais ça avoir un corps de même, moi. Avec des sacrés gros bouboules, là. J'ai des pas non, moi. Surtout l'autre tata qui est en train de battre. Get ready fight. En plus, elle a des esti de vibe move. Moi, je la file en esti, cette fille-là. Ce serait ma main. Netero dans DO5, là. Niespo, ça serait ma main. C'est bien beau que Man c'est Marie Rose, mais moi c'est Naruto. Dans DO6, ben, ça serait Kokoro sans hésiter. Non, Noka. Ouais, parce qu'elle est plus belle dans le 6 que dans le 5. Puis que dans le 5, c'est parce que Naruto c'est. Je sais pas, cool. En tout cas, c'est ça qui fut la vidéo.